José Anigo fut on s'amuse. Avec José Anigo fut on pas que du lourd. Salut les amis, c'est José Anigo fut. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les récompenses de la Ligue Weekend Foot Champions. Voilà les amis, on a fini argent 1 si je ne me trompe pas. Donc 20 000 crédits. Un pack Jumbo Joueur Premium Or et un pack Mega, si je me trompe pas, ça doit être ça. Voilà, bon, c'est un peu nul l'argent, hein. On a un peu limité la casse ce week-end. Voilà. On part tout de suite et excusez-moi, c'est un peu lent vu la connexion que j'ai. Voilà, c'est c'est bien l'argent 1. Voilà, ça s'est affiché, voilà. J'ai pris l'heure d'avance, mais bon, voilà. Donc c'est bien un pack Joueur Or Premium Jumbo, voilà, on est qualifié. Vous avez vécu en direct avec nous. C'est parti, le pack opening. Voilà, les amis. Alors, c'est parti, le pack méga qu'on ouvre. Et c'est parti. Animation, ça commence bien. Oh, c'est qui? C'est quoi? Drapeau argentin. Qui ça peut être du lourd, peut-être? Biglia. Il me semble qu'il est 88 de général. Ouais, c'est ça. Pas mal stat, bon voilà, on aura pu penser que ça allait être Icardi, Dybala, Higuain, qui j'ai oublié, il y en a plein d'autres des Argentins, mais on est en Tots Calcio en ce moment. Ça vaut combien ça? On va aller voir ça. Il y a 9 à 66 000 crédits, bref, ouais, 74 000 crédits à peu près, voilà environ. On va envoyer tout ça dans le club, voilà. Bon, ça on vend rapide, on s'embête pas. Voilà, c'est parti. On va aller le passer dans notre équipe. D'abord, on va ouvrir ce pack. Moi, je me suis gouré, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, allez, c'est parti. Pas d'animation. Petite étoile de la merde. Voilà. C'est le drapeau canadien, si je me trompe pas. Carillo, là, du Benfica. Bon, bref, ça, on va envoyer tout ça dans le club. Voilà, puis contre haut, voilà, j'ai prédit. On y va rapide. Alors on va le placer, notre ami Biglia. Tout de suite, bon, ça c'était une équipe que j'avais fait pour une qualification à l'époque. J'ai gardé. Alors on passe Biglia. On va le placer. Tout de suite. On le passe. Biglia, voilà. Donc alors 1m78, 31 ans, 4 étoiles de mobilité, 3 étoiles de geste technique, rendement du joueur attaque défense moyen élevé, 75 de vitesse, 72 de tir, 90 de passe, 88 de physique, 86 de défense et 85 de dribble. Tout ça, c'est pas mal. Voilà, j'espère qu'il sera bon. On va le tester, on verra si on le vend. On le testera sans doute avec vous. Voilà. Et puis on verra, plutôt un joueur pour jouer juste derrière les défenseurs. Voilà. Donc, c'était un pas mal joueur et un pas mal pack opening, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on verra. Voilà, on verra s'il est bon. Voilà. Allez les amis, c'est pack ultime de récompense des CES animation. Décidez ce qu'il va faire pendant la TOTS. Une étoile. Trois étoiles. Trois grosses étoiles. C'est Colombien qui est en TOTS Colombien. Bah Falcao. Voilà, Radamel Falcao. On va aller voir ce qu'on a eu avec. J'espère que c'est du lourd. Et bah c'est Pereira et Carasso. Oh quelle chance. Trois animations, trois tots à plus de 90, trois tots de Ligue 1. C'est superbe. Et là, le pack EDS, animation là aussi. Un pack de DCE. Voilà, animation. Qui ça peut être Portugal. Attention, peut-être Ronaldo. Ça serait super chanceux. Non, c'est Pizzi, à mon avis. Parce que mis au centre de Benfica portugais. Oui, c'est ça, c'est Pizzi. Voilà, des très belles stats tout de même.
Voilà, 89 de général, ça fait plaisir aussi d'avoir ça. Bon, j'aurais préféré Ronaldo, bien évidemment. Donc, 87 de test, 90 de tir, 91 de passe, 88 de physique, 67 de défense et 92 de dribble. C'était José Anigo, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, mettez des likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et à la prochaine, les amis. C'était José Anigo Fut. Avec José Anigo, il y a une fin pour que ça recommence. Lolo, 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 lolo.